Le code pénal congolais prévoit des sanctions sévères contre les personnes qui abandonnent leurs enfants, qu'ils soient physiques ou moraux, selon l'article 166. Cependant, tout Congolais a obligation de dénoncer les violences faites aux enfants. Vous ne pouvez pas abandonner un enfant. Il y a un certain nombre de comportements qui sont interdits contre un enfant parce que c'est la règle de la protection de l'enfant. Et alors les parents qui abandonnent leurs enfants ou qui délaissent leurs enfants sont passibles des sanctions prévues par la loi. Dans certains cas, ça peut aller même à 10 ans ou à 5 ans de servitude pénale. Il ne s'agit pas seulement d'être parent, mais toute personne a l'obligation de dénoncer une violence faite à l'enfant, que ce soit physique, mais la loi punit de façon très claire à son article 190. À cet effet, Donna Kambola, défenseur du droit de l'homme, affirme que l'abandon d'un enfant en danger peut entraîner des sanctions lourdes, allant de 5 à 10 ans de prison. Pour les parents qui abandonnent leur enfant, c'est très grave, parce que déjà, de façon générale, la loi nous oblige comme société à protéger l'enfant. Et les parents, non seulement les parents biologiques, mais toute personne qui exerce l'autorité parentale sur un enfant, a l'obligation d'assurer la protection de l'enfant, notamment de lui assurer un domicile ou une résidence. Parce que la loi doit donc être appliquée rigoureusement aux Congolais contre les contrevenants pour prévenir ces drames et protéger les enfants vulnérables, a-t-il ajouté.